Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Pour moi, c'est parfait. Toute nouvelle vidéo, une vidéo unboxing. Alors, j'ai pu faire en échange et puis en achat sur Marketplace. Voilà. On va commencer par l'échange, voilà. J'ai pu faire un échange avec un tout nouveau youtubeur qui vient de commencer. C'est la cave rétro. Alors je vous invite à aller voir sa chaîne. Et salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de la cave rétro. Il a fait une vidéo sur sa cave, sur sa collection plutôt. Voilà, et franchement, il a une très belle collection. Alors, je mettrai de toute façon le lien de sa chaîne en dessous. Voilà, alors allez-y vite le voir. Pour l'instant, il a que 32 abonnés, je crois. Il mérite beaucoup plus. Il est super sympa. On a pu échanger plusieurs messages avec lui. Voilà, alors, voilà. Moi je l'ai changé quoi déjà, je crois 2-3 jeux Xbox, je crois, je suis pas sûr, de toute façon il fera une vidéo. Et moi je voulais un jeu sur PlayStation 3, mais là je sens qu'il en a plusieurs. On va voir ça, allez c'est parti. Oula, waouh, il m'a mis un cadeau alors. Yes. Une sorte de porte-clé de... Alors, je ferai une photo. Alors, c'est la fille dans One Punch Man, le manga, qui est aussi en anime. Ah, c'est celle-ci qui peut se déplacer les objets, qu'elle est... Voilà. Elle est excellente, cette fille. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Sa sœur, elle est pas mal aussi, sa sœur. Voilà, elle a des bons arguments, disons. Voilà, excellent. Alors, merci beaucoup. Ah, ça fait super plaisir. Yes, j'adore. Franchement, j'adore. Voilà. Merci, l'ami. Alors, ça, c'est le jeu. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, qu'est-ce qu'il m'a mis? Ah, une sorte de... de bloc-notes Zelda. Voilà. Hey, cool. Hey, merci, l'ami. Voilà. Très joli, alors franchement, alors je m'attendais pas du tout. Merci beaucoup pour les cadeaux. Alors je m'attendais franchement pas. Merci. Excellent. Et le jeu il est juste magnifique. Ah. Ah, il m'a mis un petit mot. Salut l'ami Discovery. Content de compléter ta collection de jeux Yakuza. Merci pour ta bonne humeur, ta passion et ta qualité de tes vidéos. Écoute, merci beaucoup pour ce petit mot. Voilà, je fais. Voilà, j'essaie d'être le plus simple possible. Voilà. Continue comme ça. À bientôt pour un nouvel échange. La cave rétro. Il n'y a pas de souci. Je suis sûr que ce ne sera pas notre seul échange. Voilà. Joli petit mot. Alors, je pense que vous avez entendu. C'est un Yakuza, mais lequel? Voilà. C'est un Yakuza U. Exclusif sur PlayStation 3 à l'époque, ce Yakuza Dead Soul. Voilà, excellent. Il me manquait celui-là pour ma collection Yakuza PlayStation 3. Voilà, il est complet, excellent. Voilà, alors ce Yakuza, ah oui, il est en full français aussi, autrement j'aurais pas pris. Voilà, alors il avait payé, je sais pas si c'est lui qui l'avait payé à l'époque, à Leclerc d'occasion, à 6 euros. Bon, j'enlèverai tout ça, voilà. Super cool. Texte en anglais, manuel en français, voire en japonais. Bon, c'est pas très grave, c'est pas un Yakuza, comme les autres Yakuza façon RPG aventure. Là, c'est Yakuza façon flinguer des zombies, voilà, c'était un peu la mode. Bon, c'est toujours un peu la mode. Voilà, excellent. Voilà. Alors, merci beaucoup pour cet échange, la cave rétro. Alors j'espère que mes jeux que tu as reçus vont te plaire et puis qu'ils vont bien arriver aussi. Voilà, on sait jamais. Bon, voilà, petit Yakuza.
Bon, allez, tout de suite pour le prochain colis. Next. Et voilà, le deuxième colis, voilà, acheté sur Marketplace pour 10€. Alors, c'est un jeu que je cherchais partout, franchement. Je le trouvais dans aucun vide-grenier, ni dans les caches, voilà. Alors, c'est parti. Attention, yes. Voilà, comme ça, ah, comme ça, attention, là, yes. Voilà, le Magna Carta 2 sur 360. Voilà, juste magnifique. Voilà, il est complet. Là, je suis trop, trop content. Super, le CD. Ah, il y a deux CD. Ah, yes, nickel. Alors, tac, tac. Oh, bah, nickel, ils sont tous bien. Alors, on va voir s'il y a... Ah, non, il y en a deux. Voilà. La notice. Voilà. Il est en full français. C'est excellent. Alors, c'est en style RPG. Voilà. Tu peux incarner trois personnages, quatre magiciens et puis deux combattants, je crois. Mais sur le terrain, que tu peux diriger que trois personnages à la fois. Voilà. Voilà, c'est le numéro 2. Voilà. Parce que le premier, je l'ai aussi. Il est sur PlayStation 2. Voilà. Le tout premier Magna Carta. Voilà, en 505 games. Voilà. Mais voilà, super content. Yes. Alors là, je suis... Yes. Nickel. Bon voilà, c'était une très courte vidéo, voilà, bon ça change, voilà, pourquoi. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, alors si oui, mettez plein de pouces bleus, mettez plein de commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas la petite cloche, et le plus important, prenez soin de vous. Allez, bye bye!